Bonjour, bonjour. Bonjour mes chers téléspectateurs. Bonjour les abonnés. Comment vous allez? J'espère que vous allez tous très bien. Je salue surtout mes abonnés et aussi ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Et abonnez-vous massivement et aimez la vidéo et partagez, likez la vidéo. Comme vous le savez déjà, c'est votre professeur spirituel le Bénin. Aujourd'hui, je suis venu vous donner une astuce très simple et naturelle. Une astuce qui va sauver beaucoup de monde. Une astuce qui va sauver beaucoup de couples. Regardez bien. Regardez bien. J'espère que vous voyez tous. Regardez bien. Vous voyez? Pourquoi ces éléments? C'est un astuce de protection. Je suis venu vous donner un astuce de protection, du blocage, du désenvoûtement. Un astuce qui va vous sauver contre les ennemis qui tentent à prendre vos énergies. Un astuce qui va vous sauver dans vos différents problèmes. Ça va vous protéger contre les malheurs, contre la méchanceté, contre la reine, contre les mauvais esprits. J'espère que vous m'écoutez très bien. Voilà. Avant de commencer cette astuce, vous allez chercher ceci. J'espère que vous connaissez bien ceci. On l'appelle la feuille d'hysope. J'espère que vous voyez très bien. Vous cherchez cette feuille d'hysope. Regardez très bien. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et enfin 7. Pour commencer par pratiquer cette astuce, vous allez chercher cette feuille d'hysope. Vous voyez? Cette feuille d'hysope et vous les arrangez ensemble. Ça fait 1. Ceci, regardez très bien. J'espère que vous connaissez cette plante. On l'appelle la feuille de Hagemon Mexicana. Regardez très bien. On l'appelle la feuille Hagemon Mexicana. C'est une feuille et si avant de le toucher, si vous ne faites pas beaucoup attention, c'est une plante et ça a des boutons comme des pics. Vous voyez? Ça sert à faire le rituel de désenvoûtement, de déblocage. Voilà, vous voyez, ça fait beaucoup mal. Donc, c'est une plante qui est très puissante naturellement. Vous voyez, donc avant de pratiquer cette astuce, vous devez chercher cette plante, la feuille d'Hagemon Mexicana. Ça fait 2. Regardez ceci très bien. J'espère que vous voyez ceci. C'est la graine de la feuille d'amaranthus. La graine de la feuille d'amaranthus. C'est une graine. Si ça attrape quelque chose, regardez très bien. Si ça attrape quelque chose, c'est difficile à décoller. Vous voyez? Vous voyez? Dans notre langue maternelle au Bénin, ici, on l'appelle Tredakboko. Tredakboko. Vous voyez? Regardez très bien. Donc, ça sert aussi à faire le rituel de désenvoûtement, de la protection spirituelle, de la protection à haut niveau. Voilà, de désenvoûtement. Regardez très bien. Et aussi, regardez ceci. J'espère que vous connaissez aussi ceci. On l'appelle comment? On l'appelle la graine de la feuille de Jatropha rouge. Regardez très bien. Avant de pratiquer cette astuce, vous devez chercher 21 graines. Ceci, c'est la graine de la feuille de Jatropha rouge. Jatropha rouge. Regardez très bien. Vous allez chercher, avant de pratiquer cette astuce, vous devez chercher 21 boules de la graine de Jatropha rouge. Regardez très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et enfin 21.
Vous devez chercher 21 graines de la feuille de jatropha rouge. Voilà. Vous connaissez, tout le monde connaît ceci. C'est le citron naturel. C'est le citron naturel. Voilà. Regardez ceci. Vous payez le cola branche. Vous payez 4 cola branches. Vous voyez, ça fait 1. Je les ai divisés par 2. Vous voyez, quand vous cherchez 4 cola branches, vous les divisez par 2. Vous voyez, ça fait 1 cola, 2 cola, 3 cola et enfin 4 cola. Je les ai divisés par 2. Donc, vous les faites avant de pratiquer cette astuce. Vous les divisez par 2 aussi, comme je l'ai fait. Vous voyez, donc quand vous divisez les 4 par 2, ça, le tout fait 8. Suivez-moi très bien et regardez la vidéo et n'oubliez pas de liker et partager. Regardez ceci. J'espère que vous connaissez ceci. Et on l'appelle le nid d'oiseau. Nid d'oiseau. C'est la chambre des oiseaux. Ce sont les oiseaux même qui font leur chambre. C'est le nid d'oiseau. Vous voyez, regardez très bien, c'est le nid d'oiseau. Voilà. Ça sert à faire le rituel de désenvoûtement, de la protection spirituelle, de la protection à haut niveau. Le désenvoûtement, vous voyez? Regardez très bien ceci. Cette plante, ça sert à faire aussi le rituel de désenvoûtement total, de la protection spirituelle, de la protection à haut niveau. On l'appelle comment? On l'appelle la feuille de Héliotropium. Héliotropium. Voilà, Héliotropium. Regardez bien. On l'appelle la feuille de Héliotropium. Vous voyez? Ça représente un coq et non une poule. Ça représente un coq. Si vous regardez bien, et ces signes-là qui sont ici, ça représente le signe qui reste en haut d'un coq. Vous voyez? Donc, cette plante que vous voyez ici est très puissante. C'est très puissant. C'est une plante qui est très puissante. Elle fait beaucoup d'astuces de désenvoûtement, de débrocage, de chance, de la chance. Vous voyez? Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer à pratiquer cette astuce. Et n'oubliez pas, ceci, ce sont des cordes. La corde noire et la corde noire. Avant de commencer, vous cherchez une feuille. Vous écrivez votre nom une fois, deux fois, trois fois et enfin quatre fois, cinq fois, six fois et sept fois. Je dis bien, avant de commencer après cette astuce, vous prenez un bout de feuille comme ça, vous prenez une bique, un stylo, vous écrivez votre nom et prénom, le nom de famille et enfin le prénom une fois, deux, trois, quatre, fois et enfin 7 fois. Si vous écrivez 7 fois, vous priez comme ça. Vous priez comme ça. Quand vous priez comme ça, vous prenez le nid d'oiseau, vous mettez la feuille sur laquelle vous avez écrit votre nom et prénom 7 fois. Vous prenez cette feuille, vous mettez ça dans le nid d'oiseau. Quand vous mettez ça dedans, vous déposez quelque part. Prenez chaque feuille. Prenez chaque feuille. Vous voyez, regardez très bien la vidéo. Prenez chaque feuille. Vous prenez la feuille des autres. Vous voyez. Vous prenez le citron. Aussi ceci. Vous ramassez graines de la feuille de jatropha rouge. Vous les prenez tous et prenez avec le nid d'oiseau sans sans ne ramassez pas les cola branches. Vous prenez tout ceci, vous faites comme ça. Vous le faites ça 7 fois. Commencez par faire des prières sur ça. Quelle prière vous allez faire? Vous prononcez votre nom une fois, deux fois, trois fois. Je m'appelle telle personne. Je m'appelle telle personne.
faites votre prière, votre souhait, vous demandez tout ce que vous souhaitez à être, tout ce que vous souhaitez à devenir dans votre vie. Si c'est un concours, vous irez passer. Si c'est un examen, si c'est le désenvoûtement simple que vous êtes en train de faire, si c'est la protection que vous désirez faire, si c'est le déblocage, vous faites le prier sur ça. Telle personne à partir d'aujourd'hui, toute personne, tout être humain comme moi qui désire à me faire du mal, qui désire à mettre des bâtons sur la route pour moi, pour que je ne réussisse pas mes affaires dans tout le monde entier, que ce soit une femme, que ce soit un homme, que ce soit un enfant ou un adolescent, en tout cas vous demandez tout ce que vous voulez. Vous voyez? Vous demandez tout ce que vous voulez, tout ce que votre souhait, vous demandez tous. Quand vous allez finir de demander tout votre souhait, vous déposez à quelque part. Les graines de jatropha rouge, vous mettez ça dans le nid d'oiseau. Regardez très bien la vidéo. Vous déposez ça dans le nid d'oiseau. Vous prenez les colas. Prenez un, mangez. N'avalez pas, il faut écraser seulement. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et enfin, huit. Vous les écrasez et n'avalez pas. Vous finissez de les écraser, faites comme ça. À partir d'aujourd'hui, moi, telle personne, je me suis protégé. Je me suis protégé. Je veux la chance. Je veux le succès dans mes affaires. Je veux la prospérité dans mes affaires. Je veux la longévité. Vous demandez tout ce que vous souhaitez. Jean, votre, faites des prières sur ça, sur le nid d'oiseau. Prenez la pile, déposez le citron, et vous prenez les plantes, en plus la graine d'amaranthus. Emballer, vous allez scotcher. Regardez très bien la vidéo. Hein? Et n'oubliez pas de liker, partager, aimer la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Quand vous faites ça, vous déposez ça dans les nids d'oiseaux. Vous le forcez à rentrer dedans. Regardez très bien. Vous voyez? Vous prenez le citron en fin, vous mettez ça dedans. Le citron en question, excusez, le citron naturel en question, ça sert à faire beaucoup de choses. Ça sert à faire beaucoup de choses. Vous voyez? Vous mettez ça dedans. Voilà. D'accord. Vous allez commencer par attacher. Là, maintenant, vous allez demander beaucoup de souhaits. Quand vous êtes en train de scotcher, d'emballer comme ça, il y a des prières que vous allez. N'appelez pas le nom de quelqu'un sur le truc. Vous voyez, si vous faites erreur d'appeler le nom d'un ennemi sur ça, là, c'est très clair. Parce que ce que je suis en train de vous donner est très puissant. Si vous faites beaucoup d'attention, si vous appelez le nom d'un ennemi, cette astuce, là, ils vont dire que vous êtes une sorcière. Cette astuce est très puissante. Si vous mettez le nom de quelqu'un sur ça, la personne, il y aura un accident grave pour la personne. Soit la personne va décider prématurée. C'est comme ça.
Demandez tout votre souhait. Moi, telle personne, à partir d'aujourd'hui, c'est la chance qui m'accompagne. C'est la longévité, le succès, la prospérité plutôt dans mes affaires. Beaucoup de l'argent, beaucoup de fortune. Que ça soit dans le nord, le sud, est et ouest, n'importe où je vais partir, tout le monde devrait m'aimer. L'amour m'accompagne. L'argent, la fortune, longévité. Vous demandez tous vos souhaits, tout ce que vous désirez. Vous demandez tous. Vous voyez, quand vous finissez de l'emballer, vous allez emballer très bien. Vous allez emballer très bien parce que vous irez déposer ça dans la mer, ou soit dans un marigot, dans la rivière, voilà, là où se trouve beaucoup d'eau. Vous voyez, emballer très bien. Quand vous êtes en train d'emballer, vous serez en train de faire votre prière. Vous demandez tout ce que vous voulez sur cette astuce. Toutes vos préoccupations spirituelles, je suis sur plus 229. 63 20 06 77, professeur Lugoso, @gmail.com. Sur mon site internet, vous tapez https://lugoso.wordpress.com. Écrivez-moi sur WhatsApp plus 229 63 20 06 77. Voilà. Vous voyez très bien. Vous voyez très bien. Quand vous finissez de l'emballer comme ça que vous voyez, vous irez déposer dans une rivière, ou bien dans une marigot, ou dans la mer. C'est fini. Une fois que ça est dedans, en train d'avoir la fraîcheur, votre vie serait belle tout le temps. Vous allez trouver de l'argent. Et si quelqu'un tente, apporte votre esprit, apporte votre énergie. Si quelqu'un tente à vous envoûter, si vous êtes dans un couple, que ce soit une femme, que ce soit un homme, si vous êtes dans un couple, c'est fini. Faites cette astuce. Vous allez donner ça gratuitement. C'est votre professeur de Rousseau. Pas de problème. Donc, à plus. C'est pour aujourd'hui ça. Voilà. Comme ça, vous irez déposer ça dans un marigot, ou bien dans la rivière, ou bien dans la mer. Voilà. Merci beaucoup et je vous remercie et à plus. À bientôt.